Salut, c'est JC, bienvenue dans cette petite vidéo. Donc voilà, je voulais faire juste une vidéo parce que j'en ai pas trop fait de mon vécu après l'UTMB. Donc là, ça fait un mois. Voilà, donc je voulais juste faire un petit bilan parce que moi, j'ai pas couru en fait depuis que je suis revenu de l'UTMB. Donc dans l'ensemble, je ferai quand même une vidéo, j'imagine, synthèse. Soit vous la trouverez en bas, soit je vous la ferai un peu après. Mais en tout cas, là, je me remets à courir. Là, j'ai pas couru depuis un mois. Au niveau des jambes, ça va nickel. Un truc que j'ai ressenti par contre, c'est que c'est cyclique, la fatigue en fait, elle revient. C'est-à-dire qu'on croit qu'on a récupéré, puis d'un coup, je reste assis, je me lève et bam, hyper mal aux jambes en me levant. Bon, ça passe super vite. Hein. Mais bon, bah nickel. Là, j'ai fait un tour, là, ça doit faire 35 minutes là, du côté de mon travail que je cours. Bah, ça va nickel, hein. J'ai l'impression que je retrouve mes sensations. Alors, à savoir que j'avais dit que j'arrêtais le trail. Je crois que ça va pas être possible parce que c'est beau, hein? Parce que ça fait partie de moi. Donc je vais continuer encore. Hein. Je crois que je vais me faire deux sorties ou trois par semaine. Hein. On va y aller cool. Voilà. Alors vous, je sais pas si vous préparez des compétitions. En tout cas, si vous voulez vous mettre à, enfin, ça secoue un peu peut-être, non? Si vous voulez mettre à l'ultra, tout ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne et me suivre. Voilà, là c'est la Sainte-Victoire dans le fond. Parce que je crois que je vais continuer un petit peu parce que je prends beaucoup de plaisir à faire cette chaîne. Donc je vais continuer voilà, pour le kiff. Donc voilà, bah, un mois après, pour conclure, bah, ça va. Hein. C'est hyper bien passé. Et j'ai même récupéré plus vite que les Vosges parce que les Vosges, les 200, l'infernal des Vosges là, j'ai 200 bornes, j'avais eu les deux genoux défoncés. J'ai dû mettre 4 mois à m'en remettre. Et même psychologiquement, je crois que ça m'avait coupé. J'avais plus envie de courir du tout, presque pendant 2 ans. Bah là, on va voir ce que ça va faire. C'était en 2019, hein, les Vosges. Voilà, je parle beaucoup. Bon, en tout cas, comme quoi, hein, on peut faire de l'ultra sans se casser complètement. Je vais reprendre un peu mollo maintenant que j'ai atteint mon objectif, c'est-à-dire de faire l'UTMB. Maintenant, il faut que je m'en trouve un autre. Peut-être me remettre à la course pieds nus ou juste pour le plaisir. Voilà, donc juste pour le plaisir, je vous parle comme ça. Bon, je vous fais des bisous, bon ride. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Laissez un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je vous embrasse, ça me fait toujours plaisir. Je vous embrasse très fort. Et kiffez la nature, qui fait toujours plaisir. Allez, ciao.